ebi nyonso bobe yawe anisa yawe zaya moto te ou na komi ko comprendre mon. Waouh, c'est super. Florent musical. Ah oui, ça c'est bon, c'est super. Florent musical est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. D'âge en âge, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Tu sièges au milieu de louanges, Jéhovah. J'irai pourvoyeur à nos besoins. Rafa, Jéhovah Rafa, docteur Jésus qui nous guérit. Emmanuel, ainsi grand Dieu qui vit parmi les hommes. Oui, un peu, il y a tata lesa, il y a oulongé, bien tout le monde. Ah oui, tout le monde. Voilà, bienvenue dans votre émission Flairon Musical. Nous sommes vraiment très ravis de vous avoir en notre compagnie. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. Nous sommes très ravis parce que vous nous aimez et nous vous aimons comme le veut. Donc, cette émission ou les objectifs de cette émission, nous voulons plus promouvoir ce que font les chantres de l'Éternel ici en République démocratique du Congo et ailleurs. Aujourd'hui donc, nous découvrons un chanteur de l'Éternel. Il a fait beaucoup pour la musique chrétienne congolaise. Vous le connaissez très bien. C'est un plaisir de le recevoir. Il est de passage, bien sûr, à Lubumbashi. Lui, c'est le pasteur, l'évangéliste Mike Flore. Bienvenue. Bienvenue. Vous allez bien? Très, très bien. Beaucoup de plaisir de vous avoir dans cette émission Flairon Musical. D'entrée de jeu, la Bengaye évangéliste, pasteur. Bon, ça dépend de vous. Mm-hmm. Mais ce qui vous plaît, c'est quoi? Frère Mike. Oui. Wow. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir pour la énième fois dans cette émission Flairon Musical. Comment va Bethlehem Musique? Oui, le groupe est en forme. Parce que moi-même, le leader, je suis en forme. Et c'est par la grâce du roi que nous sommes en forme. Et je te remercie aussi merci. De nous avoir une fois de plus invités dans cette émission, tellement suivi et aimé aussi par les enfants de Dieu. Wow. Nous sommes avec vous. Ça fait quand même bien longtemps qu'on vous a écouté chanter sur des scènes. Oui. Et on a plus l'envie de voir que la parole prêchée prend plus de l'ampleur que sur scène chantée. Bon, je pense qu'on mélange les choses selon que le Seigneur nous dirige et selon aussi la demande de plusieurs. Mmh. Et puis, c'est pas dire que la parole domine la chanson parce que tout ce qui me constitue, c'est la chanson. Mmh. Alors, la chanson aura toujours les dessus. Mmh. Quand bien même qu'on est sollicité par-ci, par-là pour annoncer l'évangile. Mmh. Et partout où nous passons pour prêcher, la chanson nous accompagne toujours. Mmh. Ah oui, c'est ça. Pasteur Mike Flore, vous êtes accompagné par Bethlehem Musique, je l'ai dit.
Mais vous vous déplacez un peu de trop. Oui. Kinshasa, Lubumbashi, voire même en dehors de la RDC. Bethlehem, c'est une grande famille qui est constituée de beaucoup de gens. Je donne l'exemple. On m'invite en dehors du pays, par exemple en France, bien en Belgique. Et la personne qui m'invite n'a pas le moyen d'avoir les visas ou bien les billets pour tout le groupe. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de chanter? Je ne crois pas. Raison pour laquelle le Seigneur m'a aidé avec cette petite sagesse. Dans des grandes villes comme ici à Lubumbashi, Mbujimayi, même aux États-Unis, là où je fréquente trop en Europe, le Seigneur m'a aidé, m'a donné cette capacité de former les groupes qui peuvent s'adapter à la musique que je fais. Et ça m'aide. Si le pasteur qui m'invite a cette capacité de faire venir tous les groupes qui est à Kinshasa, le groupe mère qui est à Kinshasa, il va le faire. Mais pour permettre l'évangile, pour permettre le culte de la personne qui m'invite à être agréable, je me force, je dépasse les limites et je couvre ce culte-là avec le groupe qui est disponible sur place et ça fait du bien. On va parler de votre album qui va sortir incessamment. Vous avez dit le titre, c'est Profondeur. Profondeur. En tout cas, une belle réalisation musicale qui bénit déjà le public. On va écouter d'abord quelque chose avant d'en parler. Kutani na moto wakutanaki na zakayo akitisi na sikomo pe akoti na ndako naye akutani na ngaye akitisi nga na nzete ya masumu na fongoli ekuki ya motema na ngai pe ye wana akoti le seul nom qui prime dans ma bouche le sujet de mes louanges hey, oh, oh Yesu Yindi na koyoka Yindi na kotosa Ye ende na kosanjo la fina ngai mobimba Onse Ye ende Yindi na kosanjo la fina ngai mobimba Onse Yende Komona ye Yesu Komona ye Yesu Yangonde nakoki koyokela Akotisi ngai nakikoso Asukuli ngai alatisi ngai ye Avandisi nga na besa mene ya mikolo Na komilo kola mwinda nkolo ya ngomba Ayembisi nga yi zembo sika Abinisi nga mabino na kanakite Asimbisi nga yi lingenda bokonzi Akomisi nga mokonzi na kacha banguna Suki na tangi jesu bando ki babatami Baye nzela moko basongi na nzela sambo Suki na bibi yei batali nga yi Na mekozonga bazo kamwa nga ye Wow. En tout cas, j'ai eu de la chair de poule, franchement. C'est vrai. Avant de parler de profondeur, beau temps la musique ou bien comment? Non, c'est inné. C'est vraiment inné. Kikoso, c'est le oui. titre de la chanson. Vous parlez de quoi? Je parlais de là où Dieu m'a introduit, là où Dieu a, et là où Dieu m'a lavé. Là où Dieu m'a travaillé, c'est-à-dire c'est cette carrière que Dieu m'a mis, m'a taillé pour faire de moi ce que je peux devenir d'ici là. Quand je suis le clip, je le compare aux différents travaux que vous avez réalisés dans les albums précédents. Je vois qu'il y a une touche particulière. Oui, parce que tu vois, tu peux mettre au monde un enfant aujourd'hui. Si l'enfant ne grossit que la tête, il ne marche pas, il ne parle pas,
tu vas pleurer, tu vas regretter d'avoir un enfant pareil. Et moi, j'ai toujours dit aux frères et sœurs qui chantent que dans la vie, et surtout dans la carrière musicale, on apprend toujours. On apprend toujours. Plus tu apprends, plus tu deviens grand. La grandeur dépend de ce que tu apprends. Alors, je pense que Dieu sera dans la joie, il est dans la joie. Le fait qu'il me voit pas stagnant, en train d'évoluer, surtout dans cette dimension musicale, aller de l'avant. Et c'est pour dire aux gens que je ne peux pas m'arrêter même ici. Là. Je vais encore ajouter et ajouter encore. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous irons de gloire en gloire, de puissance en puissance. C'est-à-dire la vie chrétienne, c'est une vie qui se métamorphose. Une vie qui monte des dimensions, tu vois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es là. La sœur Tegra a chanté ça. On a ni Toshapa, on a ni Wekapa, on a ni Toshatena Abba, on a ni Wekapale, on a ni Toshatena Pale. On a ni vie, il y a ma dimension, il y a Yulu Yulu. Mais comment, aux musiciens, Shabaki a pas parlé, ou quoi, Zaman? Mais le deuxième album avait quand même sombré. Oui, tu vois, bon, c'est sombré, bon. C'est toi qui l'as dit. Bon, c'est par rapport à la promotion, n'est-ce pas? Cet album qui est tellement un album agréable, qui a de belles chansons, mais tu te rends compte que c'est un album qui n'avait pas connu d'ascenseur. C'est un album qui n'a pas connu vraiment de promotion. Pourquoi? Parce que j'étais en train de travailler ici, à Lubumbashi, au moment où le producteur a sorti l'album. C'est comme si j'étais comme une mère qui a mis au monde un enfant, mais qui l'a abandonné. Tu vois? Je demande vraiment pardon à l'album. Mkwasa, pardonne-moi, parce que je n'avais pas pris soin de toi. Alors, je pense que ton petit frère qui va sortir bientôt, Profondeur, toi-même, tu as vu déjà que je suis dans le bain de la promotion. Alors, là où je chanterai les chansons de Profondeur, je chanterai aussi tes chansons à toi aussi, Mkwasa. Vraiment, c'est un peu ça. Le premier album, c'est encore comment? Salandengenayo, Mkwasa. Et finalement, Profondeur. Qu'est-ce qu'il y aura de plus particulier dans cet album? La profondeur. Dans le message. Laquelle? La profondeur. Dans le message que j'ai chanté dans cet album. Et aussi la qualité artistique. Tu vois, le niveau artistique. On doit suivre les autres. On doit écouter les autres. On doit travailler. C'est lui qui travaille son don, fera de son don son travail. Tu vois? Mais Dieu ne travaille pas avec des fainéants. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Tu dois travailler. Si tu travailles ton don deviendra ton travail. Mais si tu négliges ton don, Album de combien de titres? 10 titres. Alors, j'ai travaillé en studio 40 chansons. 40. 40? Oui, mais parmi les 40, j'ai choisi 10 chansons. 40, c'est quand même trop, pasteur. Trop par rapport à quoi, Rolly? C'est quand même trop, je n'ai pas encore vu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui recherchent des chansons? Mais quand tu es branché quelque part, les chansons peuvent pleuvoir. Le problème, c'est les branchements. Alors, moi, je trouve que... Je vais te dire. Est-ce que tu connais ma chanson, Tourambe de la Diouf? Je vois. J'ai une chanson, là, Tourambe de la Diouf. Est-ce que... Grâce, vous pouvez venir. Et les autres, les musiciens. Venez, s'il vous plaît. J'ai une chanson, Tourambe de la Diouf. Je vais juste te raconter une petite histoire. J'étais en studio. J'ai travaillé ma chanson, Yera. Mwariwa Kanak. Mwariwa Kanak. J'ai travaillé cette chanson-là. Alors, quand j'ai fini, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis. Tu vois, n'est-ce pas? Alors, il a sorti la chanson. Il est libre de faire. C'est tout ce qu'il peut faire dans la vie. C'est mon fils parmi tant d'autres. Et je l'aime beaucoup. Et quand il a sorti la chanson, j'ai dit, bon, c'est parfois la volonté de Dieu.
J'ai dit à Dieu, Seigneur, je dois maintenant avoir une autre chanson en Tchilouba, une chanson qui correspond à la première chanson qu'on a prise par mon enfant. Et c'est là que j'écris la chanson Tungambidila Jehovah. Tungambidila Jehovah, Tungambidila Jehovah, Tungambidila Jehovah, Mwari Baba, Tungambidila Jehovah. Jibe, Jibe yo, Jibe, Jibe. Jiba njikumbana jakwimba Jehova mwari baba Jiba njikumbana jakwimba Jehova Na bena kabwabwa labalaba nebashala Bena kabwabwa nebashala Mwalu mjulu mwachishila Jehova Mama lekela kabwabwa Mwalu mjulu mwachishila Jehova Mujulu mwanzambi mwanzambi nyemoyi Mujulu netuba Mujulu muhila eni kawemba Netuba Mujulu muhila eni ya wemba Netuba Mujulu muhila masi ya wemba Netuba Mwana lukuna wakambane Nembalonda nembakwa tameme Yeye wakatu matipepe la chandi Maiva nene akababu ikila Panjingela menshi wachina ngacha Yesu Nibionso bia kangeze laye Panangwa unengimbe, aleluya Tasaki jila bwago Timba yo sana, oh sana Oh sana, kumbada Oh sana, mwewa Petelu waka vila Yesu Zambi waniwe Oh sana, mwewa Eywa mbeni chena mumu manya Zambi waniwe Oh sana, mwewa Enda mwika la masia Zambi waniwe Oh sana, mwewa Enda mwela mani Zambi waniwe Oh sana, mwewa Ding, 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 ding Mais quelqu'un me souffle à l'oreille. Oui. Dis quoi? Le rythme. Oui. Il n'y a pas posto. Tu n'aimes pas ça? Non, non. Alors. Je pose la question. Mais tu vois pas que moi-même, là, je n'ai pas de cheveux. Je n'ai que ma barbe. Tu vois? Tu vois pas que je n'ai pas de cheveux, là. C'est une façon aussi de vous particulariser. Une façon d'honorer ce rythme. Il faut dire ça. Une façon d'honorer ce rythme. Tu vois. En tout cas, beaucoup de plaisir. Non, c'est tellement ça. Tu sais, si je chante et que la gloire ne descend pas, je n'ai pas chanté. Waouh. Oui. Si je chante. Ou bien vous avez une origine de ce côté-là. Non, je te dis, non.
Dieu m'a créé comme ça, avec cette histoire à moi. Tu vois, c'est ouais. Inné. Mmh. Bien sûr, je crois à l'influence. Je crois tellement à l'influence. Parce que moi, j'aime les gens qui travaillent bien. Et ceux qui ne travaillent pas bien aussi, je les aime parce que... Et celui qui travaille bien, celui qui ne travaille pas bien, communique quelque chose. Tu vois? Alors, il y a des gens qui ont de moches voix, mais qui dégagent l'onction. Il y a des gens qui ont de belles voix et qui dégagent aussi l'onction. Tu vois? Alors, c'est un rythme parmi tant d'autres. Moi, je suis un conservateur des styles, tu vois un peu, la musique innée, la musique traditionnelle, mais jouer ça pour le Seigneur, tu vois, c'est un rythme tellement négligé, mais je sais que c'est ce que ça porte. Tu vois, j'ai joué ça à la Pâque 2017, n'est-ce pas? Quand tu fais ce que tout le monde fait, tu ne vas pas te distinguer. Tu vois, je te dis la vérité, si tu veux te distinguer dans la vie, apprends à faire ce que les autres ne font pas, ou bien améliore ce que les autres font, tu vas te distinguer. Mais quand on a obligé chacun du sucre parce que l'autre font ça, on a eu un tabac, les chèvres, parce que tu as vu quelqu'un d'autre vendre la viande de chèvre, tu vois que tu ne vas pas te distinguer. À quand finalement la sortie de cet album? On prévoit sortir l'album Profondeur le dernier dimanche du mois d'avril. Dernier dimanche du mois d'avril, mais sans imprévu. Tu vois, alors si il y aura quelques imprévus, parce que nous sommes déjà en train de descendre vers l'atterrissage. On a fini les clips, on a fini tout ce qu'il fallait faire, on a amorcé la promotion au niveau des réseaux sociaux. Bientôt là, on sera sur iTunes, on sera sur Amazon, je crois la semaine prochaine. Et puis, il y a même des chaînes de télévision ici chez nous au Congo qui ont téléchargé quelques clips là, je vois des autres. Balance ça déjà, gloire au Seigneur. Alors je pense qu'on va bientôt la officialiser, la promotion au niveau de la République, et on va annoncer les concerts. Et pourquoi la présence de la sœur Laure Mbongo dans cet album? Maman Laure, c'est une maman qui travaille bien. Et n'oubliez pas, c'est parmi les femmes qui travaillent parmi nous, on était dans les oubliettes là, on les regardait avec nos belles voix, mais on était là en train de les regarder. Inaïmba bien, tu vois, n'est-ce pas? Mais quand Dieu, au nom de la grâce, te ramène, hein, ce grand nom, amène ce grand nom à tes côtés, ça fait du bien. Pourquoi ne pas chanter? J'ai chanté avec lui, j'ai chanté avec Henri Papa, et ça fait du bien aussi. Les deux agréables, le frère, ils demeurent ensemble, n'est-ce pas? Alors, c'est par là qu'on doit définir aussi notre communion, n'est-ce pas? Nous disons merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chambou. Le berger de la grande communauté Nouvelle Cité de David. Merci à M. Lolo Moutima, patron de Pactol TV, okay. qui veut, je veux dire, que cette émission soit suivie sur Pactol TV en France, bien sûr. Sans oublier aussi M. Eric Monga. Wow. Okay. Également en France? Non. À Lubumbashi. À Lubumbashi. Nous saluons tous nos téléspectateurs d'un peu de partout. Nous sommes pratiquement à la fin. À la fin déjà? Ouais. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment on a déjà tout dit. L'émission a un timing. Oui. Oh, mais tu vois, monsieur, on a bousillé les temps de l'émission avec la chanson. Alors dites ce que vous n'avez pas dit dans quelques minutes. Je vous aime. Bientôt, là, vous allez recevoir votre album que vous aimez déjà. Je pense que je dis merci à Rolly. Merci. Mais il m'avait oublié dimanche. Et lundi, dans ses publications. Je pense qu'il a comblé les trous. J'aime Papa Zachary, c'est mon père, c'est un bon conseiller. C'est parmi les hommes qui m'ont fait du bien en me conseillant, en me montrant une bonne voie à suivre pour atteindre ses objectifs. Si je suis en train de faire ce que je fais aujourd'hui avec courage, avec zèle, c'est parce que j'ai eu à recevoir des conseils à partir de venant de ces grands hommes de Dieu, Papa Emmanuel Ntumba, mon pasteur d'ici, je le salue, ainsi que tous les frères et sœurs de l'église Sainte-Onction Charismatique. Je demande à tous mes frères qui sont en Europe,
qui me connaissent, qui m'aiment, qui aiment ce que je fais, que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Priez pour nous. Priez vraiment pour nous. Et aussi, je pense que après cet album, après, c'est-à-dire quand cet album va faire une année sur le marché, je vais sortir 5 chansons. Wow. Oui, je vais encore sortir 5 chansons. Vous voulez venir avec l'âge, hein? Oui, c'est pour le moment, j'ai une jeune joupa. Je veux vraiment mettre au monde comme ça et je vais commencer à grandir avec mes enfants, tu vois un peu. Alors, je pense que dans cet album qui va venir, si Dieu nous prête vie, je vais aussi faire une chanson avec Maman Safi Mbayou, tu vois. J'ai une chanson là parce que j'ai compris qu'elle chante très bien, elle a une grâce. Nous, on a eu Kilouba Kialolo, ni langue moya, Chidou, et aussi Kikasai. Donc, quand on a eu Imba Mungu Kikasai, on a chiqué Namashiko et Nye, il y a un tank. On a eu ça, quand on a eu Imba Mungu Kilouba Kialolo, on a chiqué Ro, il y a un tank, Baba. C'est Ro, il y a un tank. On t'amène quelque part. Alors, ça, j'aime. Je suis dans mon album ici. J'ai chanté les Kilouba Kialolo, je crois, dans 3 chansons, je sais pas. Je t'ai dit, ça j'aime. Alors, je crois que je vais faire faveur à cette servante de Dieu et je vais me faire aussi faveur de chanter avec elle dans cet album et dans l'opus que je vais sortir après Profondeur, je crois, fin 2019, on sera avec vous ici pour parler de cette opus que je vais sortir qui va s'intituler Gethsémani. En tout cas, nous disons merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vais laisser le plateau au pasteur Mike Flore avec le groupe pour une petite exhibition. Entre-temps, on se retrouve donc à la prochaine. Flairons musical, c'est toujours beaucoup de plaisir. Merci, pasteur. Merci, oui. Merci. Nabotami. Makila yali bota kasi ngai nazali oyantambe mwana ya mayam ngana za mwana nelaka bilaka bilaka ekufa kajame na putama una lokumu ya mesia nazangona ya elonga na kati ya bangona masolo alibala na famille bandi nangai Oya kobota na famille bandi nangaye Nakata bitumba libota na bimisi mutu Nakata bandokia libota na bimi molongi Molongi Motema ebelinga moto na pesa merci 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 na baba ye baba 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 oh Hey Baba oh Baba 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 Ganga mina Messi, bilaka elatinzoto, kubala yangai, kubuta e utaka na zambe, kulia yangai, mabundi e utaka na zambe, kotanga yangai, diplome e utaka na zambe, kotea yangai. Zambe yende Asimba kamite, Baba oh, Baba oh.
sobobe yawe anisa yawe zaya motote ou na komi ko comprendre mon. Waouh, c'est super. Florent musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Florent musical est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo muti masali ke ba jalou ba sala ouais bazwa zéro TV, une chaîne pour édifier. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV dans la rubrique religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, et présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwalaku Talababuti. Pour vos réservations, faites-les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Mutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.
Apostle TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sûr. Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence.